Les enquêtes de Super Waf et la puce. Qui a volé l'araignée de Dramacula? Hier soir, je me promenais dans le jardin avec Pixie, mon araignée de compagnie. Et à un moment, je me suis retournée. Et là, ma petite boule de poils avait disparu. Quelqu'un avait coupé la laisse pour la kidnapper. C'est affreux! Vous allez la retrouver, hein? Avec la puce, nous allons enquêter, comte Dramacula. Et je peux vous assurer que nous allons retrouver le coupable, sa perlie croquette. Je vais interroger les quatre autres habitants du château. Clique sur chacun de ces suspects pour faire l'enquête avec moi. L'un d'eux est le coupable et va mentir, attention. Clique sur la puce pour découvrir son indice. Quand tu... Regarde, le voleur a peut-être perdu quelque chose qui lui appartient. Je connais bien Pixie. Elle se laisse seulement approcher par les trois personnes qu'elle aime. Il y a Dramacula, bien sûr, mais aussi Rose et Suki. Sinon, elle pique et ça fait de gros boutons affreux. Ça se verrait sur le coupable. Ça tombe bien que vous m'interrogiez. Je jardinais justement dans le potager et, de loin, j'ai vu le voleur. C'est sûr, il portait un habit noir. Pixie est mon amie et j'ai un indice pour la retrouver. De ma chambre au moment du kidnapping, j'ai vu une ombre qui s'est enfuie en flottant dans les airs. J'ai coursé le coupable emballé, mais il allait trop vite. J'ai juste aperçu son regard terrifiant quand il s'est retourné. De grands yeux noirs. Tu as maintenant interrogé tous les suspects et tu connais l'indice. Clique sur le ou la coupable. Bravo, tu as réussi cette enquête. Suki est bien la coupable. Elle avait besoin de poils d'araignée pour fabriquer une potion qui donne le pouvoir de marcher sur les murs. La puce a sa petite idée sur l'endroit où la sorcière a caché l'araignée. Tu veux jouer avec la puce pour retrouver l'araignée? Super. Alors, recompose le puzzle pour connaître la cachette. Bien vu! Pixie était cachée sous le chapeau de la petite sorcière. Bravo! Encore une enquête résolue avec Super Waf et la puce!